Ben écoutez, on va faire une recette parce que ça, c'est un pack anti-gaspi. Tout d'abord, j'ai des. Alors, c'est jusqu'à. Oh, j'ai le temps. Sauce pour barquette sautée. Voilà, ça, c'est dans le pack anti-gaspi à 14 euros. Alors, figurez-vous, c'était des gros morceaux. Moi, je les ai coupés en tout petit parce que j'ai pas envie d'attendre 3 heures pour faire de la cuisson. Donc, on va déjà éplucher les oignons. Après, on mettra les tomates et on mettra de l'ail. Je les ai marinés. Alors, je les ai marinés avec du paprika fumé, avec des herbes italiennes, de l'huile d'olive et une pointe de vinaigre. Je vais éplucher les oignons. C'est des oignons sauciers. Regardez, spécial pour la sauce. Et je vais prendre une gousse d'ail. Un petit peu. Et beurre. Voilà, je laisse fondre. Hein. Je vais mettre ma viande que j'ai coupée en mini morceaux parce que j'avais pas envie que c'est de la viande de veau. Et moi, je l'ai coupée en tout petit, je l'ai fait mariner. Et voilà, parce que je voulais pas me prendre la tête à attendre 10 ans. Je vais juste faire dorer. Un petit peu de sel, mais très peu parce que ça va cuire longtemps. De la persillade et de la ciboulette. Ah. Voilà. En fait, ça va mijoter. Hein. Pour l'instant, on fait dorer. Voilà, ça sent bon. Hein. On fait cuire. Je vais mettre les oignons. Alors, je vous dis que ça, hein, comment je vais pleurer, ça va être horrible. Hein. Les limites, on peut les mettre, c'est des petits oignons sauciers, donc on s'en fiche. Hein. Voilà, on va les faire en gros morceaux. Et voilà. Grossier, c'est pas grave. Hein. Alors maintenant que c'est revenu comme je veux, on va goûter la sauce tomate cuisinée Hels sans conservateur, longuement mijotée. Donc je pense qu'elle doit pas être mauvaise. Allez, on y va. Et voilà. Oh, il faut du partout. Voilà, mais en fait je vais quand même mettre une pulpe de tomate. De la pulpe de tomate, c'est de la meilleure au monde, italienne, mouti. Allez, on y va. Et voilà. Du coup, j'ai pas besoin de mettre de sucre parce que avec la sauce Hels, elle est déjà mijotée. Voilà. Donc on a l'oignon qui va cuire. On a. Et je vais rajouter, voilà, hop. Alors maintenant, ça va mijoter une heure trente, je ne sais pas exactement. Et ma petite touche personnelle, je me demande si ça ne va pas être mauvais avec de l'orange. Mais bon, on va mettre du citron. Je vais mettre de l'orange. Chris, regarde, je mets de l'orange. Avec une orange, tout s'arrange. Citron.
manque un peu d'acidité en même temps. Voilà. Et je vais mettre voilà. Et bon, on va laisser cuire. Hein. Ben, je vous retrouve tout à l'heure. On va soulever le couvercle. Et voilà, c'est cuit. Voilà, vous avez la viande. Il y a beaucoup de sauce. Hein. Il faudra que je refasse encore un petit peu diminuer. Hein. Mais voilà. Voilà, c'est cuit. Il faudra juste encore un petit peu diminuer la sauce. Et bon appétit.